Yo yo les mecs, salut les techniciens et salut tout le monde. Ça va quoi les gars? Tranquille? Ouais, tranquille, tranquille hein. On va pas dire oh là là, on est fatigué ou je ne sais quoi, vu qu'on fout rien. T'as eu Inzaghi, putain. Eh hey, les gars, j'espère que parce que là du coup, il y en a plein qui ont sûrement réussi à récupérer leurs jetons swap pour le pack icône de base. J'espère que vous avez eu du lourd les gars. J'ai vendu mes joueurs brésiliens de Liga NAS parce qu'ils coûtaient un petit peu cher. Échange icône. Bon, j'ai rien fait hein, j'ai même pas joué en Rivals depuis une semaine. Ah, vous me connaissez le mode Division Rivals, c'est pas trop mon délire. Et là, du coup, j'ai récupéré du coup 3 jetons au total. J'ai fait équipe Samba et Liga NOS. Donc en gros, j'ai pris des joueurs brésiliens de Liga NOS et j'ai fait les deux défis en même temps. Qui va logiquement partir. N'hésitez pas, les gars, faites comme moi, hein, vérifiez vos joueurs irlandais. Vous avez sûrement des joueurs qui coûtent un peu cher. La crevardise, elle est quoi? Elle n'est jamais finie. Je pensais qu'ils allaient faire un truc un peu mieux quand même que de reprendre des Team of the Week de FIFA 18. Je suis un peu déçu, mais ouais, je pense que de toute façon, je m'attendais à rien, mais au final, ouais, je suis quand même déçu, on peut le dire. Hein. On a fait 2 élites en fait pour rien. J'aurais préféré avoir les packs à 100 000 crédits. Hein. J'aurais préféré avoir fait 2 fois hors 1 pour avoir 4 packs à 100 000 que de faire 2 fois élite et avoir 2 packs à 100 000 crédits. Parce que Jesper, en fait, ce qui est débile, c'est qu'ils nous ont sorti tellement de cartes hyper fortes, hyper cheatées, que maintenant, bah, quand tu nous sors des Team of the Week moment, en fait, on s'en branle. Je veux dire, la plupart ont fait Poligno en flashback. Gareth Bale, il est pas vraiment. Enfin, c'est cool, mais c'est. Voilà. Quaresma, il est en flashback. Bah, Lingard, qu'est-ce qu'on s'en branle? De Ligt, il est en OTW, il est pas cher. Schmeichel, je crois qu'il est déjà sorti. David Alaba, il est en DC. Il y a Tierney, qui était sorti en SBC, qui est meilleur. Aboubakar, il a même plus les 5 étoiles en geste technique. On est en mars et il y a McNulty et puis Oviedo. Notre pack là qu'on a gardé, alors pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ont gardé leur pack Team of the Week, donc que ce soit les Team of the Week donc du rang Elite, Top 100 et tout ça, ou alors des SBC Team of the Week qui datent un petit peu, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des SBC Renfort Team of the Week. Et ben en fait, dans votre pack, vous aurez pas les Team of the Week moment, tu vois. Vous aurez les Team of the Week, vous aurez des cartes informes de la Team of the Week numéro 26 de FIFA 20. Donc vous aurez justement ces cartes-là de cette Team of the Week-là et pas de la Team of the Week actuelle qui est la Team of the Week moment. C'est génial, hein? Donc en fait, on a gardé notre pack Elite pour absolument que dalle. Ouais, autant prendre des packs à 50K que 36 000 crédits, hein, je vais pas te mentir. Donc go prendre des packs à 50K. Hein. Ah oui, je vous ai pas montré mon équipe ultime. Enfin, ma potentielle équipe ultime. Si on peut l'avoir avant les tots, ça serait bien. Je sais pas encore si je vais mettre Quaresma. En vrai, je peux mettre n'importe qui ici à la place de Quaresma. Je peux mettre Mahrez, je peux mettre Messi, je peux mettre n'importe qui. Mais pour l'instant, je vais laisser Quaresma et puis Mahrez. Vu que c'est deux joueurs invendables qui me servent un petit peu. Mais voilà, il nous manque trois icônes. Trois icônes qui ne sont pas très chères. Hein. Non, je déconne. Et elles sont très très chères ces icônes. Mais Cannavaro est gratuit, on l'aura dans un peu plus d'un mois. Marcelo, c'est 1 million. Zizou, c'est 8 millions. Et Sien, c'est 2 millions. Donc, il y a encore une longue route à faire. Hein. Bonne chance à nous. Déjà, je peux jouer comme ça. En 4-2-3-1. Classique. Je peux faire ça, par exemple. Je peux aussi jouer en 4-2-2-2. Avec Ribéry et Neymar devant. Je peux mettre Zidane en MOC. Zidane, je le jouerais souvent en MOC. Et genre comme ça, avec Marcelo et Zizou sur les côtés. Là, je pense que comme ça peut être sale. Zidane, gros, en fait. Moi, quand je vois ses stats, parce que tout le monde veut. Enfin, j'ai l'impression, quand tu vois 97 en finition, 96 en puissance de tir, 96 en tir de loin. Gros, c'est MOC ou MC. Je le jouerai jamais en MDC. À part s'il y a, y a un truc. Il y a un match où on se mange un carton rouge, forcément, je vais devoir le jouer en MDC. Okay. Je pense que Zidane, c'est MOC, quoi. C'est MOC direct. MOC, c'est parfait. Il a double 5 en plus. Il a moyen, c'est juste parfait. Il a 90. Pour moi, il a juste les stats parfaites d'un MOC parfait. Et à côté, gros, quand t'as Ribéry, Quaresma, Neymar, je pense que t'es plutôt tranquille, hein, 80 d'agilité. Il a flair, il a les tirs en finesse, extérieur du pied, il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut. Je pense que juste les gens qui aiment pas Zidane, c'est soit parce qu'ils veulent jouer méta à fond, soit parce que ils ont écouté les pros aveuglément. Les gars, moi, j'ai pas envie de jouer full méta. Moi, déjà, j'ai la chance d'avoir un style de jeu qui est méta en général, tu vois. Parce que moi, j'adore les joueurs techniques, t'as vu. Mais Zidane, moi, ça me dérange absolument pas qu'il soit pas méta, qu'il soit lourd, balle au pied. Je m'en bats les steaks. Je veux un MOC en plus qu'il soit justement bon en passe, bon en tir de loin, qui sache faire la différence. Et pour moi, c'est juste parfait. Bon, 4 packs. 2 packs à 25 000 et 2 packs à 50 000. Bah, j'ai préféré prendre ces packs non vendables en vrai. Parce que bon, les crédits, 36 000 crédits, vu que j'ai pas joué en Revolts, je préfère prendre les packs non vendables. Ça nous fait des crédits, enfin des crédits des joueurs pour notre club. Rulli. Raúl García. Bah, les premiers packs à 50 000 crédits. Un joueur de la Copa, c'est cool. Bon, bah, c'est pas super hein, pour un pack à 50 000 crédits, mais bon. Il y a un 83, une carte Ligue des Champions.
On va dire qu'on prend. Bon, dernier pack. 50 000 crédits. Ouais, est-ce qu'on peut aller genre sortir du tunnel? Parce que bon, en vrai, on est même pas sorti du tunnel depuis le début. Ouais, je suis mort. Et puis dans les packs invendables, les gars, il y a tout le temps de la chatte. Je te promets, gros. Hein. On a fait donc Elite 3 en pensant qu'on aurait, bon, autre chose que des Team of the Week moments qui sont pas vraiment super, à part peut-être deux cartes, hein, Bale et puis Walker. Et puis deux, trois cartes ensuite, hein, Paulinho, David Alaba ou quoi, mais bon. On obtient un pack à 100 000 crédits, un pack moment Team of the Week Premium du coup, où on aura trois joueurs Team of the Week moment, et puis 70 000 crédits qui font plaisir. Et évidemment, bon, j'en ai pas parlé, mais les trois joueurs fut champions, qui sont donc des Team of the Week moment, c'est ça, hein. Allez, go numéro 2. Ouais, James. James, bon, correctement, on l'a déjà en flashback. Aboubakar, il ne nous intéresse pas, il a plus les 5 étoiles en geste technique. Donc, on va prendre James Rodriguez. Ça reste une bonne note. Le James, il va partir dans un SBC, on va pas se mentir. Je sais pas qu'est-ce que tu veux faire avec 58 d'accélération, 54 en vitesse, 66 en endurance. Je vais pas faire de renfort 86+, non, parce que j'ai trop de cartes 84, 85, 86. Et je me dis qu'en fait, tu vois, j'essaye de... J'en ai parlé aussi ce week-end. Et en fait, les gens, ils m'ont plus conseillé d'attendre. Parce que s'il y a des gros SBC, en... enfin des gros tots en SBC, là, tu vois, toutes nos cartes rouges, elles vont être super utiles. Ils vont sortir des tots ou des... Bah, de toute façon, ils ont bien sorti une Team of the moment. Imagine, ils sortent une Team of the saison moment. Allez, un petit Walker, un petit Bale. C'est parti. Bon, Paulinho, on prend, c'est de la... Ouais, mais je l'ai déjà en flashback, pareil. Il me servirait... Pff, ouais, mais c'est un peu dommage parce qu'en vrai, Paulinho, ça reste une belle carte. Mais moi, il me sert absolument à rien vu que je l'ai déjà en flashback. Donc, on va le prendre, évidemment, pour la note. C'est un peu dommage. J'aurais préféré que ce soit un de vous qui le chope. Surtout ceux qui n'ont pas la version flashback. Déjà, est-ce que vous pensez que la saison... Moi, pour moi, la saison, elle est terminée. Ligue 1, Serie A, toutes les saisons, elles sont terminées pour moi. Je pense que voilà, il faut passer à autre chose. Et eSport, ils doivent nous motiver à allumer le jeu, quoi. Allez, dernier joueur rouge. Bordel. Ah, dommage. Ouais. Bah, en vrai, Jesse, il peut nous servir pour le défi Manchester United, là, avec Keane. Bon, bah, sinon, de toute façon, ça reste potable, en vrai, hein. Bon, évidemment que ces cartes-là ne vont pas être titulaires dans mes équipes. Paulinho, je t'aurais dit ouais, mais on a le flashback, donc au final, ça me sert strictement à rien. Donc, à part pour les SBC et pour les défis, bah, écoute, ça va pas servir à grand-chose. Donc, du coup, on s'est fait un peu douille, hein, d'avoir gardé notre pack Team of the Week de, je sais plus quand, du Elite d'il y a 2 semaines ou 3 semaines, je sais plus. Et celui-là, par contre, c'est un Team of the Week moment. Donc, on aura 3 joueurs de la Team of the Week actuelle. En espérant... est-ce qu'on est... Non, on n'est même pas allé en dehors du tunnel. Vas-y, go. Eh, là, par contre, c'est un pack à 100 000 crédits. Hein. Y a moins qu'on reste dans le tunnel. Allez. Putain, ouais, mais il n'y a pas d'animation. Argentine, Banega. Mais non. Mais ouais. Ok, bon, bah, c'est pas grave. Bon, ça reste 1,83. C'est pas trop mal, ça va. Mané et Saint-Maximin, ok. Bon, bah, en fait, moi, je sais même pas quoi je demande. Il faut d'abord avoir l'animation. Bon, c'est parti, pack Team of the Week Premium. Espérons avoir l'animation, déjà. Ok, c'est déjà fait. Espagne. MC. Ah, c'est Parero, non? Eh gros, dès qu'il est en carte spéciale, lui, on l'a. On l'avait eu en rouge. Quand il était en 82 général, on l'a eu en version rouge. Et on l'a eu dans un en non-vendable aussi, en uniform 82 général. Waouh. Smith et Schaffler, Schaufler, ouais, ok. Il n'y a pas d'anime, le pack, il s'ouvre direct. Ça fait un peu peur. Bon, de toute façon, c'est parti, pack Moment Team of the Week Premium. Ah oui, il n'y a pas d'anime, ok. Eh bah putain de merde, ça pue la merde. Je vais juste garder Kolasinac et puis... Et puis c'est tout, hein, vente rapide les deux autres, voilà, on va récupérer 40 000 crédits de notre pack, de nos deux packs Team of the Week. Et Moment aussi, et puis je vais garder par héros et puis Kolasinac, hein. Pas mal ou pas? Beau gosse celui-là. On va juste jouer 10 matchs avec.
Sérieusement. En tout cas, bah bonne chance pour futur pion et pour vos packs, les mecs. J'espère que vous aurez eu, vous aurez ou que vous avez eu plus de chance que moi. Comme d'hab, hein. On espère que certains ont du lourd pour essayer de. Parce qu'on est tous dans le même bateau, finalement. On essaye tous de d'avoir notre équipe ultime, mais c'est un peu la galère, là, cette fin de FIFA. En fait, ce qui me déçoit le plus, c'est que j'avais un petit peu d'espoir par rapport à. Voilà, tu vois, on est en confinement, donc forcément, je me suis dit que eSport, ils allaient sortir des trucs bien pour nous motiver à aller sur le jeu, mais en fait, là, j'ai juste envie de jouer à Call of Duty et j'ai pas envie de jouer à FIFA. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a très peu de vidéos sur YouTube, et je m'en excuse. Avec le confinement, j'ai beaucoup plus de temps, mais malheureusement, j'ai beaucoup moins de motivation, et le jeu t'aide pas vraiment à, voilà, te donner de la motivation. La seule motivation, en fait, qui me fait allumer FIFA, c'est Zidane, tu vois. Je veux Zidane. Bah alors le reste, il n'y a pas beaucoup de motivation et c'est bien dommage. En tout cas les mecs, on va se laisser là. Je vous souhaite de passer un beau week-end de façon, avec Fut Champion ou pas, hein, si vous le faites ou pas. Et nous de toute façon, on se retrouve sur Fut Champion ce week-end pour jouer avec cette équipe et tester Maldini et tout ça quoi, tout simplement. Bref les mecs, passez une très bonne soirée et on se dit à plus tard. Ciao les gars.